Salut tout le monde, donc aujourd'hui on va jouer un jeu assez connu, comme vous pouvez le voir, il s'est affiché à l'écran, c'est le fameux Animal Crossing sur Wii. Démarrer, donc let's go to the city. Donc moi, pour ma part, c'est la première fois que je joue à un Animal Crossing. C'est une première. Donc on va découvrir ça tous ensemble. Donc le jeu il date de 2008. Me voilà, désolé de t'avoir fait attendre. J'ai su que tu emménageais alors je suis venu te chercher. Ah par contre j'ai horreur de la voix qu'il a. Ah la vie en solitaire. C'est à ça que tu penses en ce moment même, pas vrai? La vie en solitaire, bon. Bah, vu qu'on est en confinement, oui, un peu, mais bon, on le subit quoi. Le monde entier le subit. Personne pour te dire ce que tu dois faire, libre de vivre comme bon te semble, la vie, la vraie quoi. Ouais, bah, je sais pas, la vie, la vraie. Sinon, je me commanderais des pizzas tous les jours. Hein, Mais faut pas pour sa santé, c'est pas bon. Alors, une nouvelle maison, de nouveaux voisins, de nouveaux amis, ouais. Un nouveau départ et un nouveau monde plein de possibilités. C'est pas bon ça? Bah écoute. Oh si, ça l'est. Alors, tu veux prendre le taureau par les cornes et vivre une toute nouvelle aventure? Bah allons-y. Ou tu préfères reprendre ta vie là où tu l'avais laissée, dans Animal Crossing Wild World sur Nintendo DS. Bon, en fait, j'ai pas joué au jeu sur Nintendo DS, donc. C'est la première fois que je joue à Animal Crossing. Bon, bah, donc, voilà. Donc, nouvelle vie. Déménagement DS. Ah, Non, on va pas faire ça quand même. Allez, soyons francs. Je suis à fond avec toi. Après tout, tu commences une nouvelle vie, pas vrai? Bah, oui, une vie en jeu vidéo, oui. Et quoi de mieux pour se mettre dans le bain qu'une bonne eau propre, limpide et claire, je te le demande. Ah, le bus sera là d'une minute à l'autre. Je ne vois pas le temps passer quand je bavarde. Je vois ça en plus, je sais pas quelle langue il parle, mais... Allez, c'est parti. Ouais, merci Charlie. Eh ben, c'était moins une. Nous voici dans le bus qui va te conduire vers ton nouveau chez-toi. Dis donc, j'ai comme un trou là. On est bien le 7 décembre 2018. Est-il 21h19, c'est ça? Mais non, pas du tout. Pas du tout. On est en 2020. Hein. Pas du tout. Quoi? Sérieux? Où est-ce que je me suis planté? je sais pas. Peut-être moi qui avais pas mis les bons trucs sur la sur le menu de la Wii, hein, j'en sais rien. Alors, je sais même pas combien on est. On est dans des voilà, sur le téléphone. On est le dimanche 15 novembre actuellement. Il est 17h45. Ah, c'est pas du tout ce que je voulais. Pas du tout. J'arrive pas trop à... Ça y est. Et là, 2020. Je veux bien retourner en 2002, hein, j'étais tout jeune. Alors, 2020. Ah, j'arrive pas à mettre le zéro. Ah, j'y arrive pas. Décidément. Ah, allez, oh. Obi. Déjà ici, la lettre d'avant, s'il vous plaît, merci. Ah, il m'obéisse pas. Ah, ça y est, c'est bon. Attendez, je regarde si c'est bien ça, puis j'ai regardé un peu.
C'est le 15, j'ai dit, pas le 13. Ok, j'ai bien fait de vérifier. Que moi, je suis très étourdi comme go. Donc voilà, on est bien devant. Alors je tourne la vidéo. Donc oui, c'est ça. Là, il doit être 17h46, un truc comme ça. Voilà. Let's go. On va se faire. Donc, ok, d'accord, alors on est le 15 novembre 2020 et il est 17h46. J'ai bon cette fois. Yes. C'est tout bon. Merci. Ma pauvre montre n'a plus les aiguilles en face des trous, on dirait. Alors, ah oui, j'aurais dû commencer par ça. Comment tu t'appelles? Ah oui, mais oui, il va pas dans l'ordre, lui. Je m'appelle Eden. Dédé, il est où le dé? Là. Confirmé. Ah, Eden, c'est ça. Joli nom, ça me plaît bien. Ouais, bah, il me disparaît dans les jeux Pokémon. La classe, hein, c'est Mimi, hein. Je réponds quoi? Je préfère c'est Mimi. Moi, je suis pas trop en mode... J'aurais dit ça, j'aurais pu. Non, je rigole. Je suis fier. C'est Mimi, hein. Ouais, carrément. Mignon et très féminin. Non, mais tu rigoles, c'est mixte, mon prénom. Ça te va, ravi. Je suis un garçon. Eh, hey, mais oh. Comment t'es un garçon? Je suis vraiment à côté de la plaque ces temps-ci. Désolé, mon gars. C'est quoi ce jeu? Dis-moi, Eden, cette ville où tu vas emménager, elle s'appelle comment? Ah, bah là, je pense que je vais devoir inventer un nom. Alors, dans Pokémon Donjon Mystère, j'avais mis Pokéden. Donc là, je vais peut-être mettre Pokéden aussi. Ça n'a rien à voir avec les Pokémon, mais bon. Vu que je suis un grand fan, je vais appeler pareil. Hein, allez, parce que là, j'ai aucun autre nom qui me vient en tête. Vous me direz dans les commentaires qu'est-ce que vous en pensez. Alors, hop, hop. Pokéden, hein? Ouais, c'est ça. Pigé, Pokéden, alors. Ouais, il paraît que le coin est charmant. Tu dois avoir hâte de commencer ta nouvelle vie là-bas. Bah, je sais pas, hein, je sais pas à quoi m'attendre. Mais bon, une nouvelle vie, bon. Oui, allez. À fond. Comme je te comprends. Ouais, moi j'aime pas le train-train. J'aime pas la routine. Mais dis-moi, tu sais déjà où trouver une maison? Je sais pas, Los Angeles. Ça devrait aller, aucune idée. Non, aucune idée, je me... Quoi? Tu plaisantes? T'as même pas pensé à ça? Eh ben, c'est pas gagné. Oui, mais on est dans Animal Crossing. Bon, puisque tu sais pas encore où tu vas habiter, j'espère que t'as ce qu'il te faut côté finance. Bah, je sais pas, tu peux me loger, non? T'es mon copain, non? Enfin, pas petit ami, mais... Bon, alors j'y mets quoi? Je verrai sur place. Eh ben, t'as pas froid aux yeux, toi? La tête qui fait français, français. Mais les gens comme toi parviennent toujours à se débrouiller d'une manière ou d'une autre. C'est cool. Je suis sûr que tu vas très bien t'en sortir. Et si jamais t'as besoin d'aide ou de conseils, passe à la mairie. Ils te renseigneront. Tiens, vise un peu ça. Ah, c'est la carte de la ville. Ou du quartier, je sais pas, la ville. Boutique, tailleur, mairie, musée, porte. Ouais. Ça te sera utile, c'est une carte de Pokéden. Quand tu seras arrivé en ville, serre-t'en pour trouver la mairie. Prochain arrêt, Pokéden. Pokéden! Oh, ça y est, on arrive à Pokéden. Bon, bah, c'est ici que nos chemins se séparent. J'espère qu'on aura l'occasion de se revoir. On était les seuls passagers à bord. Thank you.
C'est moi la grosse tête là. Ah oui, c'est moi. Ça. Ok. Avant toute chose, passe à la mairie, à la revoyure. Ouais. Je vais être complètement paumé, moi. Je me sens abonné, abandonné. Là. Pour afficher la carte, pointe l'icône maison avec la télécommande de oui et appuie sur A. Alors, j'ai horreur de pêcher et j'ai horreur de la chasse en vrai. Donc, dans le jeu, ça va être compliqué. Photo. Ami. Clavier. Carte. Mairie. Donc, c'est le truc qui est là. Moi, je suis là. J'ai tout ça à faire. Ok. Alors je sais même pas comment me déplacer. Aucune photo dispo. Mais c'est pas ça que je voulais faire. J'essaye de marcher là en fait, tout simplement. Il y en a qui vont rigoler là. Ah bah désolé mais j'ai jamais joué à Animal Crossing de ma life. Comment je fais pour me déplacer? Push. J'ai rien dans mes poches. Lettre. J'ai une lettre au bout. Que dalle. Pas de lettre d'amour, rien, que dalle. Motif. Un motif de quoi? Porter, étaler au sol, éditer le motif. Ouais, oublie ça. Alors, je découvre, hein, les gars. Donc là, j'ai un clavier, mais il me sert à quoi, en fait? Je sais pas s'il y a quelqu'un qui va me répondre, mais bon. Je pense pas, moi. J'aurais voulu mettre « Je suis nouveau ». Je sais, ça s'écrit pas comme ça, je suis nouveau, hein. Ça plus vite. Hop. Ouais, je me casse de là. Ami, j'ai qui là? J'ai personne. Oh, je suis complètement abandonné dans la rue. Enregistre un ami. J'ai pas d'amis. Sniff. Bon, en tout cas, n'hésitez pas à me faire part de votre code. Ah, de me faire part de vos codes amis. Si vous voulez qu'on se retrouve dans le jeu. Il n'y a pas de soucis. Par contre, mon code ami à moi, je sais pas c'est où pour le trouver. Alors. Pokéden, tu n'as pas de code ami. Ah! Est-ce que je dois le créer peut-être? Je sais pas du tout comment ça marche. Visiteur. Micro-chat. Micro-chat. Ah, c'est, ça a l'air pas mal. Hein. Visiteur. Là, c'est peut-être pour créer un code justement. Alors, je sais pas du tout qu'est-ce que je pourrais mettre comme code. Ah bah, je vais mettre mon prénom. Hein.
Je pense pas que ça marche mon truc là. Je comprends rien du tout. Donc là, c'est juste un commentaire en fait, donc c'est pas vraiment un code ami que j'ai mis. Je sais pas du tout comment ça marche. Donc voilà, donc n'hésitez pas à m'en faire part de vos codes, ceux qui possèdent le jeu, hein, je dis bien, parce que sinon ça va être un peu compliqué. Comme ça, on pourra se retrouver une temps. Alors par contre, tiens, il y a le. Ah, il a. Ah, c'est comme ça que j'avance. Ah, ok. Faut que j'appuie sur le sol en fait. Est-ce que je peux aller là-dedans? Bonjour. J'ai pas le droit d'entrer, je parle. Bonjour et bienvenue au poste frontière de Pokéden. Écoute-moi bien. Eden, si tu vas. Si tu as envie de visiter une autre ville, ou si tu as, ou si un de tes amis souhaite venir visiter Pokéden, j'apprécierais vraiment que tu m'en parles un peu à l'avance. Mets-y un point d'honneur, s'il te plaît, parce que grâce à cette information, je pourrais ouvrir les portes de la ville. Eden, ta demande de citoyenneté est en cours d'examen pour la commission de bienvenue. Dès que ta situation sera régularisée, nous pourrons ouvrir. Le poste frontière, merci pour ta patience. Ok. Ah, et là c'est pour sauvegarder la petite plume. Bon bah je reviendrai plus tard. Là. Donc la mairie, je sais, j'ai bien vu que c'était là-bas, on va commencer par la mairie peut-être. Sur la carte, ça disait que c'était par là-bas. Je me prends dans les armes, moi. Ouch. Pas très habile encore. Ça ressemble pas à une mairie, ça. Pas la mairie, ça. Voilà, là-bas, c'est pas une mairie non plus, c'est une boutique de vêtements. Alors, là, il faut, en gros, faut que j'aille à la mairie pour dire, oh oui, ça y est, j'habite ici, je veux être reconnu. Peut-être un loyer à payer, je sais pas. Elle est où ma maison, en fait? Faut que je la choisisse. Le petit chat m'a abandonné. Alors, donc, c'est pas par là, la mairie. Des jolies fleurs, je marche dessus. Attendez, je voudrais regarder, et c'est quoi ça? J'en vois qu'il y en a un peu partout. La chasse aux insectes, approchez-vous de votre proie en douceur pour ne pas les frayer. Je déteste les insectes. Ah, c'est quoi qui sonne là? Ça m'a pas l'air d'être une église. Hein. J'ai pas trouvé la mairie encore. Bon, je vais rentrer dans les deux maisons là. Je sais pas si j'ai le droit de rentrer chez les gens comme ça. Elle est toute petite la maison. À vendre. Ah non, d'accord, c'est à vendre. Visite possible, merci de vous adresser à la mairie. Ah, c'est pour ça qu'il faut que j'aille à la mairie. Bah oui, mais je peux aller. Je vais revoir la carte. Ma carte. Ah!
carte. Je suis là. La mairie est là. Donc là, j'ai trop descendu. Je remonte un peu. Je vais aller voir ici aussi, mais ça doit être une maison aussi avant, j'imagine. Ah non. Bon, bah, je vais squatter là. Hein. Ah, il y a quelqu'un dedans. On s'est déjà rencontré. Tu viens d'arriver en ville. J'apprécie les gens qui ont la politesse de venir se présenter auprès de leurs voisins. Bravo, petit. Je suis Vladimir. Si tu as une question à propos de cette ville, tu trouveras la réponse ici. Niette. C'est quoi son lit là? Non mais, non, c'est bon, je t'ai déjà parlé. J'ai juste cliqué sur ton lit. Non mais... Blablabla. Mais vous avez vu son lit? C'est ça qui m'intriguait, moi. Oh. Ah d'accord, et il dit rien. Je dors dans son lit, il dit rien. Il y a même une main ici. Ok, c'est original. C'est original là. Bon, faut que je trouve la mairie. Donc, ah bah ça doit être ça. Ça y ressemble. Confirmez-moi que c'est la mairie. Ah, oh, c'est toi, Eden. Tu viens d'arriver ici, c'est ça? Il manque pas un H là. Bienvenue à Pokéden. Je m'appelle. Et je travaille ici à la mairie. Donc, c'est bien la mairie. Ça me le confirme. Bien, inutile de. Terre. Oh là, c'est quoi ce mot? Tergiversé. Ok, c'est la première fois que je le vois ce mot-là. Regardons un peu l'endroit où tu vas habiter. Nous avons plusieurs maisons à vendre ici à Pokéden, toutes de la même taille et toutes au même prix. C'est assez rare. C'est pas un loyer, j'espère. Je vais être propriétaire. Bien sûr, le site, le toit, les couleurs et la décoration de ces maisons sont différents. Mais combien sont libres aujourd'hui? Ah oui, voilà, il y en a 4. Et je peux acheter plusieurs maisons, non? Comme dans le Monopoly. Regarde un peu cette carte. Un cercle autour d'une maison indique que celle-ci est à vendre. Je suis sûr que tu trouveras la maison qui te convient. Bah effectivement, j'en ai vu une tout à l'heure. Alors il y en a une qui est là où il n'y a rien autour. Il n'y a que dalle. Et les autres par contre... Peut-être mieux d'être en pleine ville. Hein. Ah, c'est la campagne là, je pense. Alors, c'est quoi tout ça là, les noms là? Il faut que je mette OK. Laisse-moi m'occuper des formalités pour ta nouvelle maison. D'accord. En même temps, pourquoi ne pas se servir de la carte pour visiter les maisons libres en ville? Une fois que tu auras trouvé ton chez-toi, tu rencontreras le propriétaire, Tom Nook. C'est à lui que tu devras t'adresser pour le paiement. Oh, tu sais comment ouvrir ta carte? Non, mais j'ai pas d'argent, regardez. Je suis clochard. Oui, je sais ouvrir ma carte. Oh, bien, et voilà. Donc, faut que je visite les maisons. Donc moi, j'ai pas très envie d'aller à la campagne. Je préfère aller en centre-ville. Je vais aller où là? Par là-bas, faut que je remonte. Comme ça, c'est mieux au centre-ville, il y a tous les trucs autour quoi. Enfin, c'est pas vraiment un centre-ville mais... Bon là je descends là, pour le coup. Je vais aller voir ici. Je suis sorti, revenu plus tard Tom Nook. Ah c'est celui à qui je devrais payer la maison et tout.
Ah non, je suis déjà allé tout à l'heure là. C'est là où il y a le lit là. Le lit bizarre. Demi-tour. Ah. Ça doit être une maison à vendre. On dirait une niche pour chien. Oh. Apparemment, elle est pas à vendre. C'était pas écrit. Ah bah, c'est bien une maison. Hein. C'est tout petit. Pas de musique. Pas de lumière non plus. Ah, le petit bruit, ça m'a fait penser au jeu Pac-Man. Tiens, il y a quelqu'un là. Tiens, salut. Tu dois être Eden. Tu sais, j'ai beaucoup entendu parler de toi. Bienvenue à Pokéden. Je m'appelle Tom Nook. Je gère un magasin en ville. J'espère te compter bientôt parmi mes clients. Alors, la maison te plaît? Tu l'adores? Bah, elle est toute petite. Hein. Ah, vraiment, c'est vrai que c'est une décision importante. Va donc visiter les autres. Oui, j'en ai visité qu'une. Les autres maisons disponibles, et reviens me montrer celle que tu préfères. Ouais, je vais quand même visiter un petit peu partout. Sorti, faire un tour, Nadine. Donc, c'est pas une maison à vendre. Quoi. Bon, je voudrais remonter à peu près où on était vers le début du jeu à peu près. Rien que c'est quoi c'est les maisons, c'est y a même pas 10 mètres carrés. Ah, bonsoir. Je suppose que tu es le nouveau dont tout le monde parle. Bienvenue, Kiminou. Je m'appelle Kiki. Enchanté, Kiki. S'il y a quoi que ce soit qui te pose problème, n'hésite pas à venir m'en parler. Bah, j'ai pas de problème. Mais c'est la maison de qui? C'est la tienne, ça? Aller voir dedans. Désolé, je suis pas là, Kiki. Ben, elle est juste derrière moi. Ok, c'est bon, j'ai compris. Ah, je pourrais être voisin avec Kiki. Ah, c'est la même que l'autre. Ah, sauf que là, c'est une bougie. Tout à l'heure, c'était pas. C'était autre chose. Une lampe ou je ne sais quoi. On va. J'ai hâte de choisir ma maison. Moi. Alors Eden, je parie que tu n'avais jamais vu de maison comme celle-ci. Bah Rikiki comme ça, ouais. Qu'est-ce que tu en dis? Elle te plaît? Pas terrible. Ah vraiment? Mais j'en ai visité deux. C'est vrai que c'est une décision importante. Va donc visiter les autres maisons disponibles et reviens me montrer celle que tu préfères. Après, là, je suis bien situé. Il y a la mairie qui est pas loin. Je suis à côté de Kiki, là. Ouais, je vais peut-être prendre celle-là, là. Mais j'ai pas d'argent. Ouais. Je vais me mettre là, je serai près de la mairie et près de chez Kiki. Dans les autres, j'étais un petit peu en mode solitaire. Bon, j'achète. Ça y est, j'ai réfléchi. Attends, je vais retourner dedans. J'ai pas accès à la boîte aux lettres. C'est un peu normal. Genre, je tuck alors que ça sert à rien. En fait, il m'attend à chaque maison. J'achète, mais j'ai pas de sous. Comment? Bien, c'est réglé donc. À partir d'aujourd'hui,
Tu es ici chez toi, Eden. Et tu peux considérer le radiocassette comme un cadeau du vieux Nook. Au fait, Eden, est-ce que tu as visité le grenier? Non. Quand tu seras fatigué de tes aventures à Pokéden, va dormir dans le lit qui se trouve au grenier. Ah d'accord, ma chambre est dans le grenier. En allant te coucher, tu te souviendras de tout ce que tu as fait durant la journée, n'est-ce pas? Si tu ne fais pas cet effort, ce sera comme si tu n'avais rien fait de la journée. Je vais dormir avec les araignées. Alors, s'il te plaît, n'oublie jamais ce petit détail, d'accord? C'est tout ce que j'avais à dire concernant la maison. Mais j'imagine que tu as déjà des questions à me poser, non? Tu veux que je répète ce que je viens de dire au cas où tu aurais oublié quelque chose? Non, ça va pas, non. Pas la peine. Ne t'inquiète pas, je suis sûr que tu t'en sortiras. Bien, nous allons devoir évoquer la question un peu délicate du paiement. Alors voilà. J'aime pas du tout leur voix, hein. Entre le terrain, le bâtiment, les impôts, les surtaxes, les frais divers et tout le reste, nous arrivons à une facture d'un montant de 19 800 clochettes. Ah, pas non. J'achète. Ah, ça fait plaisir à entendre, vraiment plaisir. J'aimerais que tu déposes l'argent que tu me dois sur mon compte. Je te donnerai tous les détails plus tard. Pour l'instant, Eden, j'ai une question très importante à te poser. Dis-moi, comment comptes-tu gagner ta vie ici? J'en ai aucune idée. Tu vois, j'ai une boutique à faire tourner, alors je compte sur toi pour me rembourser ce prêt. Ah bah, je pourrais travailler la boutique, peut-être. Je sais. Eden, tu pourrais travailler pour moi à la boutique. C'est ce que j'allais dire. Enfin, c'est ce que j'ai dit. Pendant quelques temps, enfin voilà. Je t'enseignerai les ficelles du métier. Je te ferai visiter la ville. Pour faire une pierre de coups, tu vois. D'accord. Parfait, c'est décidé. Bien, je dois retourner m'occuper de la boutique. Alors écoute bien. Tu vois, maintenant que tu as choisi une très belle maison, tu devrais aller rencontrer les gens d'ici. Ah, tu devrais avant tout aller saluer le maire. Ah oui. Tu trouveras le maire à la mairie. N'oublie pas d'aller le voir. Je suis déjà allé à la mairie. En attendant, je vais te préparer quelques petites choses à faire. Passe me voir la boutique un peu plus tard, d'accord, Eden? Ouais, la boutique. Ah si, je l'ai vu tout à l'heure. N'hésite pas à regarder ta carte pour trouver la boutique. Et la mairie, ça t'évitera de courir partout. Je le gêne, là, on dirait. Attends, je voulais voir le grenier. Ça devait être les petits escaliers sur la gauche. Là, là. Voilà. Et donc, du coup, dans l'autre, tout à l'heure, je suis pas allé voir. Oh, bah, y a une petite musique pour dormir. Ah, il y a un téléphone de Dantan. Je peux m'en servir ou pas? Que dalle. C'est inutilisable pour le moment. Court dormir dans le grenier. Bon, alors la mairie est là. J'ai bien fait de déménager. Là, je suis tout près de la mairie. Là, je sais pas si je devrais aller souvent à la mairie, mais bon, en vrai, on n'y va quasiment jamais à la mairie, nous, sur la planète Terre, la planète bleue. Sauf si on y travaille. Bienvenue au musée. Ah, demain, je suis au musée. Je croyais que c'était la mairie, moi. Fais comme chez toi. Alors, puis-je t'aider? Demande-moi, n'hésite pas. Je suis à ton service. J'ai un fossile? Bah tiens, je me demande. Ou je suis vraiment désolé de te le dire, mais tu n'as apparemment pas de fossile à faire évaluer. Ah oui, d'accord. Mes connaissances sont plutôt étendues, mais je ne peux pas évaluer ce qui n'est pas là. C'est un petit peu normal. Bon, puis-je faire autre chose pour toi? Non, merci, je reviendrai plus tard. Il y a plusieurs pièces là. Eh, t'es toi, tu me casses les oreilles. Eh, il est bavard.
Donc la mairie, du coup. J'y suis allé tout à l'heure. Regardez la carte. Ah, je suis loin. Je suis là. La mairie est là. Je sais pas si je dois prendre le pont, je pense pas. Ah, il y a la boutique là-bas, je crois. Ah, il n'y a rien ici. Tac. Bonjour, sois le bienvenu au temple de la couture des sœurs d'Oitfée. Mais c'est pas du tout la boutique où il y a l'autre là. Alors. Ah, il est concentré, faut pas le. Ah, je ne peux pas abandonner mon ouvrage maintenant. Je suis désolée. Et puis comment je suis un autre. J'ai pas de sous, déjà faut que je m'achète une maison alors. Ça va, je suis pas à poil non plus. Merci, nous espérons te revoir bientôt. Ouais, on verra. Là, ce que je devais faire, c'est retourner à la mairie. Je suis là, donc je suis bien à gauche, mais faut que je descende là. Ah, je me cogne dans l'arbre. Ouais, ça y est. Je me souviens que j'étais pas si là tout à l'heure. C'est ça? Heureuse d'entendre que tu as fini avec les formalités pour ta maison. C'est agréable d'être propriétaire, non? Oh, et en parlant d'argent. Je vais faire en sorte que tu puisses utiliser le distributeur automatique de clochettes. Et tu y auras accès dès que l'enregistrement de tes données personnelles sera terminé. Ne t'inquiète pas, cela peut durer un certain temps. Hé, hey, toi, petit, qui es-tu? Et pendant que je y suis, quel est ton animal préféré? Pourquoi il me pose des questions comme ça, lui? Ah, bah, mon animal préféré, il est même pas dans la liste. Bah, j'aime bien les chats. J'aime beaucoup les chats. Allez. Bah, c'est ça, les jeunes d'aujourd'hui. Ils écoutent de la musique de fou. Ils ne se lavent plus les cheveux et ils ne respectent pas. Laissez-moi vous présenter notre nouveau citoyen, Eden. Donc, je lui ai répondu que mon animal préféré, c'est le chat. La caméra s'est coupée entre temps. Et après, il savait plus de quoi il parlait, monsieur la tortue. Là. Comment? Quoi? Oh! En y réfléchissant, j'ai effectivement entendu parler de son arrivée. Enfin, il me semble. Bah, quelle importance! Bref, je me présente, je suis Tortimer, ou Tortimer, je sais pas. Le maire de Pokédex. Ah, ok, ok. Enchanté. En tout cas, n'hésite pas à venir me parler pendant les vacances et les jours de fête. Tu me trouveras devant la mairie. Je t'ai à l'œil, petite canaille. Et... En fait, je croyais que c'était la mairie, sinon c'est pas la mairie. Je vais regarder la carte. Ah! J'ai du mal à...
Donc je suis là. Bon, on va aller voir le truc jaune à la mairie, c'est pas ça là. Non, c'est le musée ça. Ça c'est chez les gens. Ça c'est bientôt chez moi. Là c'était quoi du coup? Ah bah si, c'était bien la mairie. Alors je comprends pas pourquoi. Bon, ok. Oui, en fait le truc jaune là, il y a... Ah si, c'est une boutique, ok. Ah, je peux courir aussi. Ah, on va aller là. Ah, je suis déjà allé tout à l'heure, mais on va y retourner. Je me rappelle plus c'était quoi, c'était la couture. Ah non. Non, je peux aller là. Tu es sûr que tu as bien dit bonjour à tout le monde? Je pense, ouais. Tu n'oubliais personne? Tu en es absolument certain? Je peux obligé de dire bonjour à tout le monde. J'attendrai le temps qu'il faut, mais il est important que tu rencontres tout le monde. Eh bien, on fait pas ça, nous. Dans Animal Crossing, on est obligé de rencontrer tout le monde avant d'habiter. Donc apparemment, j'ai pas tout visité encore. Donc il faut que je visite tout et que je revienne... Et que je revienne voir cette personne-là plus tard. J'aime beaucoup les cerises ici. Ah, la plage. Ah, c'est quoi ce truc là? Je peux ramasser ou quoi? Clipéastre. C'est quoi? C'est un fossile ou quoi? Par là. Non. Il n'y a pas d'interaction avec, donc je sais pas si ça sert à quelque chose. Là aussi, bon, coquillage. Escargot de mer. Non, c'est bien. Il y a la mer, juste. Il y a un lapin là, on va lui dire bonjour. Oh non, mais si, tu dois être notre nouveau voisin. Tout le monde me connaît ici. Donc si tu ne me connais pas, c'est que tu viens d'arriver. Comment t'appelles-tu au fait? Eden, sérieusement? C'est un petit village ici. Et le nouvel circule, oui. Principalement parce que c'est moi qui l'ai fait circuler. Je m'appelle Nadine. Ça ne s'oublie pas, n'est-ce pas, Carotte? Pourquoi elle m'appelle Carotte? Ben, la maison de Nadine est plus grande que la mienne, on dirait. C'est pas juste. Il y a vraiment beaucoup à visiter. Ah, c'est une maison vide là aussi. Pas le temps, grenier. Bon, c'est exactement pareil. Pareil que l'autre. Alors, je sais plus si l'île était bleue, mais... Ah, bon, ouais. On va prendre le petit pont que j'ai vu, là. Il y a un insecte, là. Maison de Vladimir. Bon, on va aller voir Vladimir. Je pense pas qu'on l'a vu, lui. Bonjour, je suis votre nouveau voisin. J'habite le quartier. Ah, si, on l'a vu, lui, déjà. Ouais. Avec le lit, là. On va aller prendre le petit pont là-bas. On va aller voir là-bas. Je sais pas où aller, à droite, à gauche, c'est con. Hein. Il n'y a rien du tout ici.
une sauterelle. Ah non, c'est pas une sauterelle, c'est une bulle, je sais pas. Ah, une maison. Une maison juste devant la plage, dis donc. Le lit est jaune. Et là, le sol, il est pas pareil. Et là, il y a un gros truc comme ça, voilà. Oula, qu'est-ce qui se passe? Ah non, je suis tombé dans les les sables mouvants. Ah bah ouais, quoi. Mais on peut pas avoir game over là-dedans, dans Animal Crossing, je pense pas. Hein. Ah, que de sac. Une belle cascade là. Donc là c'est chez moi, là c'est ok, on est déjà venu. Je me demande où est-ce que j'ai pas encore visité. Là, je crois que j'ai tout fait. Ouais. Ah peut-être que ouais au début je crois que j'avais pas fait par là. Je me souviens plus exactement. On va voir. Ah si j'étais venu là. Même que j'ai pas le droit d'y aller. Ah quoique. Mince, j'aurais peut-être dû tenter quand même. Parce que comme je suis allé à la mairie tout entre temps. Voilà, on va aller voir. Par contre, je sais pas s'il y a quoi là. On va demander au chien là. Salutations Eden, je vois que tu t'investis totalement dans ton travail. Il semble que tout ne soit pas encore réglé quant à ton autorisation d'utiliser le poste frontière. Merci pour ta patience et ta coopération dans cette affaire. Ok, donc je peux pas pour le moment. On va aller ici. Je visite. Dans quoi là? Merci pour votre coopération. Ok. Ah, que de sac. Il devrait y avoir des tableaux là au-dessus là. Il n'y a que dalle, ils se sont fait cambrioler ou quoi. Bon les gars, on va visiter le reste dans la prochaine partie. Là je vais faire une petite sauvegarde. Donc là j'ai visité ici, il me restera les autres là. Tiens, bah y a un café, on ira voir là-bas. Hop, sauvegarder. Quitter la partie. Sauver et quitter.
Donc les gars, ma première expérience dans Animal Crossing, qu'est-ce que j'en pense? Bah écoutez, je sais pas, c'est peut-être encore trop tôt pour donner un avis. Mais ça a l'air sympa. Donc bah on verra ça à la deuxième partie pour une petite suite. Allez, salut tout le monde!